Eh bien, salut à tous les amis, c'est The King Ragnar Lodbrok. On se retrouve pour une vidéo de Assassin's Creed Rogue, les amis. Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre et tout ce que nous défendons? Je le jure. De ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes. Je le jure. De nous rester fidèles quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Je le jure. Tu es désormais des nôtres, mon frère. Tu es désormais un Templier, l'émissaire d'un nouveau monde. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Les amis, après, comme j'ai une fois que ça serait drogue, il sera fini. Si j'y vais jusqu'au bout, à présent. Je verrai bien les vidéos que je ferai. Si je fais du Assassin's Creed Unity, si je fais du Day Night 2, si je fais d'autres vidéos par exemple, je verrai ce que je ferai comme vidéo. Tout en voir, je verrai bien les amis. Du monde. Et il a choisi son camp en conséquence. Vous aurez bientôt un choix similaire à faire. Par exemple, si je fais du catch ou du foot ou du... Je sais pas, les amis, j'irai voir ce qu'il y a, que je ferai. Mais t'as l'air d'être sur la bonne voie. On peut toujours pas accéder au serveur du sous-sol, mais il y en a un autre en haut de l'immeuble, près du bureau de Mélanie. C'est là que tu dois aller. Ok, y a pas de souci. Ce bureau appartenait à un homme du nom d'Olivier Garneau. Avant que je sois en poste, il était directeur de la création chez Abstergo Entertainment. Otzoberg est un cadre de notre société mère, Abstergo Industries. Il te fera découvrir la véritable histoire du monde, comme il me l'a montré. Olivier était un type gentil, intelligent et passionné par notre travail. Mais il y a un an, il a été happé par toute cette histoire. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés, mais tu as bien bossé et tu as fait tes preuves. Je t'accorde une autorisation de niveau 2. Les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Shay. Merci. Du coup, les amis, voilà. Oui. François Mac. Ton animus n'attend plus que toi.
Ah bah j'arrive ma couille. Me voilà. Bien joué, cobaye. J'ai chargé la suite des mémoires de Shay, c'est quand tu veux. Nous y sommes presque. Sachez que vous contribuez à une juste cause, même si elle se dérobe à votre compréhension. Ça peut juste te ramener à la vie pour te remettre au boulot. Oui, oui, oui. Bordel! Qu'est-ce qui se passe? Encore un bug? Le même qu'avant, Shay est de retour à Notre-Dame. Essayez d'aller au bout de la mémoire, cette fois-ci. Ok. Shay est bien à Paris. J'ai même la date. 1776. À cette époque, Franklin était l'ambassadeur des Amériques en France. Mesdames et messieurs, Otzoberg, tueur professionnel et historien amateur. Bon, alors. On va faire l'organisation de Benjamin Franklin. Benjamin, de Benjamin Franklin. Arrêtez! Que faites-vous? Cherche pas querelle! T'aurais jamais dû quitter ta colonie d'art! Shay? C'est bien vous? Après toutes ces années! Ah! Où sont mes manières? Merci, mon ami, merci! Mais que faites-vous donc à Paris? Sauf votre respect, ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je... Je dois retrouver ma famille. Voilà. Hop, attends une minute. Merci, Shay. Attendez-moi, voulez-vous? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. Et de là. De deux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Garde! Garde!
C'est vrai que je vous ai pas vu jouer là-haut. Comment avez-vous fait cela? Quelle chance de vous avoir croisé. Je crée ma propre chance, Master Franklin. Tout comme vous, je crois. Certes, certes, mon bon ami. Néanmoins, aujourd'hui, sans votre aide... Bon, vous avez toute ma gratitude. Puis-je faire quelque chose pour vous, en retour de votre bonté? Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans 2 jours. Il ne laisse pas n'importe qui entrer au palais royal. Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. Les amis, je compte sur vous pour liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, que je me suis dit bisous, bye.